qui met l'anneau et aussitôt se transforme en Shizo. Dans sa jupette, d'une manchette peut te mettre KO. Son acolyte Max et Casco, lui c'est vraiment son pote. Mais les méchants Shizo les bat tous pour les réduire en gros potes. Super force et super vitesse, y'en a pas deux de son espèce. Crème magique, rouge laser, ses cheveux lui tapent sur les nerfs. Chicule tout terrain, avion de chasse et sous-marin. Méga Bat, écrit d'enfer, qui est aussi trop super. Shizo. Shizo a plein d'adversaires, Bulle de Bave et même Tara. Faites gaffe, la voilà. Shizo, Kelly et Sheila font leur show. Shizo, tous aiment Shizo. Shizo, jamais on a vu un tel héros. Shizo, y'a que ce Shizo. Vous avez besoin des services d'une super babysitter? Oh oui, notre babysitter est souffrante. Comme ça, nous pourrons aller au bal comme prévu. Hourra! Hourra! Shizo à la rescousse! Pas si vite. Avant, j'ai une question. Comment savez-vous que nous avons besoin d'une babysitter? Il se trouve que j'ai un formidable sixième sens. Merci, Shizo. Les enfants vous feront faire le tour de la maison. Attends, chérie, je n'ai pas... Portez l'esprit tranquille, je connais bien la maison. Hein? Vous avez une drôle de voix. Tu as remarqué, toi aussi? Non. Bon, tu vois. Oh, on a eu chaud sur ce coup-là. C'est moi la prums dans le jacuzzi. Allô, Maz, mes vieux sont sortis. Viens à la maison et... On va s'éclater. J'en connais un qui va tomber d'eau. Ah, c'est trop kiffant. Je nage dans le bonheur total. Carrément, c'est Shizo qui devrait me garder à chaque fois. Tu sais que c'est moi qui commande et que tu dois m'obéir. Va me chercher un fist burp. Non. Mon masque commence à me picoter un petit peu. C'est un gommage pour le visage. Faut le laisser agir. De la crème anti-âge? Où est-ce que vous êtes allé chercher ça? Dans la salle de bain de maman? Non, c'est Maz qui l'a apporté. Non, non, pas du tout, je l'ai trouvé ici. Le tube traînait au fond d'un placard. Rassure-moi, tu plaisantes? Est-ce que ça répond à ta question? C'est pas vrai! Arrête de m'éclabousser! Non, mais c'est toi qui as commencé! Non! Je suis le capitaine Plouf! Cette crème anti-âge est super efficace! Oh, méga macaque, ce sceptre, c'est de la bombe. Oui, vous n'imaginez même pas. Attendez un peu de voir ça, mon gros poilu. Une bombe méga explosive à la crotte de nez. Alors, espèce de morveux, qu'est-ce que vous en dites? C'est dégoûtant, mais très impressionnant. Bienvenue à la FADA, la famille azimutée des dangereux affreux. Oh, les azimutés, vous êtes malins comme un singe. À partir de maintenant, vous êtes prié de m'appeler glorieux chef. Que je vous appelle Gloria Pimbèche? Bon, si ça peut vous faire plaisir. Où va nous mener notre première virée en duo, Gloria? Faites-moi penser à vous anéantir à notre retour. Mais avant cela, c'est ce soir que doit avoir lieu le bal annuel de la police. Tous les policiers de Megadel se retrouveront au même endroit, au même moment. J'ai donc choisi de sauter sur l'occasion afin de les faire tous disparaître. Je vous interdis de m'interrompre au beau milieu d'un monologue. Astrologue? Non, je ne suis pas astrologue, mais j'ai un plan et c'est pas du toc. Dites-moi, votre glorieuse majesté, que fait-on de Shizo? C'est être vil, infâme, odieux, dégoûtant, révoltant et... C'est vil! Je me chargerai personnellement de s'éliminer Shizo. C'est vous qui voyez, Gloria. Ce soir, la ville de Megadel elle sera enfin moi! Votre glorieuse, vous vous sentez bien? Bon, ça suffit! Je t'en prie, Sheila, fais quelque chose. Je vais analyser mes fichiers pour trouver l'antidote, mais je crains que ça ne soit un peu long. Merci de patienter. Guy, je m'ennuie. Joue avec moi. Pas maintenant, Maz, j'attends la réponse de Sheila. Non, joue avec moi. Je veux que tu joues avec moi. Joue avec moi, joue avec moi. T'as fait exprès de me marcher sur le pied. Attends un peu que je t'attrape, tu vas me le payer. Et cours, et cours, la furet. Allô, papa? Guy, est-ce que tout se passe bien? Ah ouais, papa, il y a aucun souci. Ça se passe super bien, formidablement bien, merveilleusement bien, au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Passe-moi la babysitter. Tout de suite, je te la passe. Allô, inspecteur Hamdan, c'est Shizo à l'appareil. Chut. Qu'est-ce que j'entends? Ce sont les enfants qui font ce bruit? Oh non, c'est rien du tout. Allez, bon bal, amusez-vous bien. Hein? Bye bye. Signal d'alarme. Signal d'alarme. Sheila, je peux pas y aller. Je garde les enfants. Dis-moi que tu plaisantes.
Tu ne plaisantes pas. Quelqu'un a libéré tous les animaux du zoo de Megadel. Ah super, on va aller au zoo. Je m'ouvre devant. Moi je veux voir les macaques. Oh, je suis bien trop grande pour ce siège auto. Je peux presque pas bouger, je suis coincée là-dedans. C'est le but du jeu. Oh, regardez, un éléphant. Bon les enfants, vous allez m'attendre ici bien sagement. Et pas de bagarre. Dis, tu sens pas quelque chose de bizarre qui te chatouille à l'intérieur? Je suis désolée mon gros mec. Fini de s'amuser. Assis, pas bouger, gentil éléphant. C'est pas vrai, où sont les enfants? Les enfants? Oh. Allô? Bonsoir, c'est Chizo. Chorizo? Ah. Pourquoi vous répondez? C'est le téléphone de mon fils. Oh, j'ai pensé que ce serait une bonne idée que les enfants décrochent un peu des nouvelles technologies et qu'à la place, ils se plongent dans un bon bouquin. Alors j'ai confisqué leur téléphone. Vous avez confisqué leur téléphone? Oh, c'est formidable, wow. Oh, tiens, justement, voici votre fils. C'est un petit garçon très intelligent. Ne quittez pas, je vous le passe. Salut, papa. Salut, fiston. Est-ce que tout se passe bien? Oui, super. Oh. Ciao, à plus. Petit, petit, eh oh! Où êtes-vous? J'espère que vous n'avez pas fait de bêtises. Ou que vous n'êtes pas allé vous jeter dans la gueule du lion! Gentil minou, gentil gros matou! Non! Ah, non! Arrête d'embêter le gros minet! Super filet balistique, chilastique! Maz aime Chizo. Oui, oui, et Chizo aime Maz. Mais dis-moi, où est Kelly? C'est Dingo. Quoi? C'est Dingo. Ah! Un chien sauvage a dévoré mon bébé? Ah, méchante! Les bébés ne mangent pas les dingos. Je veux faire caca. Dormez mes bébés sur un arbre perché. Moi, je mange des pommes et des boules de gomme. Je suis pas très boule de gomme, mais du moment que ça rime. Ah, de vrais petits anges. Oh, oh, voilà notre mère de famille active. Ma chère, nous avons une urgence. Ah, Kelly et Maz rajeunissent à vue d'œil. Ils doivent absolument retrouver leur état normal avant que mes parents rentrent à la maison. Ils ne rentreront peut-être pas. Qu'est-ce que t'as dit? Tout d'abord, je tiens à remercier ma charmante épouse, Méga Macaque. Oh, Méga Macaque! Personne ne bouge ou on vous glace le sang. Et ce n'est pas des paroles en l'air. Excellent travail, Scara. Mon nom, c'est Tara. On ne va pas chipoter. Maintenant, poussez-les au travers de ce portail qu'on les envoie dans une autre dimension. Pourquoi vous me chargez de toutes les corvées? Vous vous êtes brisé une papate ou quoi? Pas si vite, méga macaque. Chizo, pourquoi tu n'es pas au zoo? Cette virée parmi les bêtes sauvages devait te tenir à distance pendant des heures. Si c'est tout ce que vous avez trouvé, je dis au secours. L'idée de la balade au zoo me paraissait un super plan. Je vous parle de la grande blonde. Tara, vous devez cruellement manquer d'amis. C'est pas faux, j'avoue que parfois je me sens seul. Glaçons-la sur place. Pas si vite. Je pose d'abord les gamins et après je vous botte les fesses. Si tu n'as pas le choix. Mais dépêche-toi. Super siège bébé ultra confort. Voilà. Maintenant, en garde. Je te tiens. Non, attendez, ne tirez pas. J'ai cru qu'il allait ajouter une espèce d'andouille. Ça m'est bien égal. Il commençait à me sortir par les trous de nez. Pareil, boomerang. Tara, pauvre vieille chose toute fatiguée. Alors comme ça, vous n'avez pas pu vous empêcher de rejoindre les forces du mal. À votre âge. Non, arrêtez. Oh, quel heureux hasard. C'est ce qui s'appelle tomber à pic. Bouge un seul orteil et je transforme ces chérubins en esquimaux glacés. Maintenant, vous allez m'écouter, face de crotte de nez. Si jamais vous arrachez une petite larme à ces enfants, je vous atomise sur place dans la seconde qui suit. Message reçu. Oh oui, 5 sur 5. Waouh, ça c'était bien envoyé, Kelly. Attendez. Oh non, ils vont voir les bébés. Ça y est, j'ai trouvé l'antidote contre la crème anti-âge. Vite, Sheila, qu'est-ce que c'est? Tu vois l'étiquette sur le tube? Oui, c'est écrit crème anti-âge, et après? Arrache le mot anti que tu vois sur l'étiquette et dis-moi ce que tu lis.
Crème âge, une crème à vieillir. Oh, Sheila, tu es vraiment sidérante. Oui, je sais, Shizo. Allez, les enfants, il est temps de voir les choses en grand. Ça alors, dépêchez-vous de grandir un peu, allez. Mais qu'est-ce que tu espères? On n'est que des enfants. Shizo? Oui, je suis là, coucou, contente de vous voir. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous étiez censé rester à la maison pour garder les enfants. Oui, tout à fait, vous avez parfaitement raison. Et je voulais me montrer à la hauteur de la tâche que vous m'avez confiée. Et elle a réussi, elle est vraiment trop bien. Shizo, c'est la meilleure babysitter de tout l'univers. Kelly! Oh, tu es saine et sauve. Pas du tout. C'est grâce à Shizo. Oui, quand elle a su que Mega Macaque avait prévu d'attaquer le bail de la police, elle a couru jusqu'ici et l'a éliminé en un clin d'œil. Elle t'a sauvé la vie, papa. Oh, c'est vraiment incroyable. Je... Shizo? Mais où est-elle passée? Shizo m'a chargé de vous dire au revoir. Elle a dit qu'elle ne voulait pas te voler la vedette. Après tout, c'est ta soirée, papa. Eh bien, je ne pensais pas dire ça un jour, mais tu sais quoi? J'espère bien la revoir. Oh, je suis sûr que tu la reverras, papa. Et plus tôt que tu ne le penses. Bon, on rentre à la maison, à plus tard. Et Maz, il est où? J'en sais rien, il était juste... Je suis là! Oh, t'as carrément abusé de la crème de vieillissement. Oh ouais, je sais. Et tu penses que ça va aller? Oui, il faut seulement que je remette la main sur mon dentier. Fais-toi un dragon, mec. Ou un beau papillon. Je refuse que tu te fasses tatouer. Mais si tu veux, je te ferai un tatouage au aîné. Ça jamais, il n'en est pas question. Merci, mais je passe mon tour. On peut aller sur le grand vite, madame Hamdon? Ça oui, je suis d'accord, c'est de votre âge. Oh, trop génial. Vite, c'est parti. Soyez prudents. Oh, c'est trop géant. Je n'y crois pas, qu'est-ce qui m'a pris de vous laisser m'entraîner sur le grand huit? Ah, et c'est parti! Ouais! Oh. Déjà envie de vomir? Non, mon sixième sens me dit qu'il y a quelque chose de zarbi. Ouais, cette attraction est vraiment trop naze. Oh! Cette fois, j'ai suffisamment d'encre pour tatouer la ville tout entière. Megatail sera bientôt à moi! Oh non! C'est Tatouzilla! Il a quoi? Tatouzilla, c'est un méchant et c'est le plus vieux tatoueur de la planète! Oh, ils sont carrément trop classe, ces tatouages! Tu m'étonnes, je vais aller les voir de plus près! Attends, c'est un super méchant! C'est pas pour dire, mais à ce train-là, on n'est pas arrivé! Vous maîtrisez super bien l'impression j'ai d'encre, Tatouzilla! Mais avant de vous lancer dans la peinture murale, faut demander une autorisation! Je ne crois pas que ce sera nécessaire, Shizo, mais libre à toi d'en discuter avec mon petit panda! Oh, il est trop
mignon. Vos pouvoirs se limitent à cette petite chose. Non, ça c'est une miniature. Un échantillon de ce que tu vas affronter. Incubateur. Oh, c'est trop génial. Oh, tout doux, mon grand, reste mignon, gentil nounours. Est-ce qu'il est bio, votre Macron? Il a grandi dans une ferme aquacole biologique? Tout à fait, et il s'appelle Louis. Un prénom d'origine germanique qui signifie vaillant guerrier. M'en dirait tant. On manque toutes les scènes d'action. On en a encore pour combien de temps à bord de ce train? Le voyage risquait d'être long. Sheila? Enfin, j'ai attendu ton appel toute la journée, Kelly. C'est vrai? Non. Shizo a besoin de notre aide et on est bloqué à bord de cette espèce de mollasson de train bleu. Oh, je le connais bien. À une époque, on est sortis ensemble. Quoi? Mais comment c'est possible? Oh, c'est une longue histoire. Accroche-toi. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit... Accroche-toi! Oh, des chinosaures! Ils sont complètement allumés, ces lézards! Gagant à Big Baf! Non! Léo, attaque! Incubateur! Oh! Maintenant j'ai compris! De l'encre, des tatouages plus vrais que nature! Oh, bonjour, la laine de cow-boy! J'en perds mon brushing! Chimacuation d'urgence! Joli minou, gentil minou, doudou minou! Ouais, plus vite mon gros matou. Ah, que d'émotion, que d'émotion. Maintenant, attention, place à mon prochain chef-d'œuvre mural. Une giclée de jaune, une giclée de noir, une giclée de vert. Ma recette magique pour créer le graffiti le plus dément de tout l'univers. L'espadon a-t-il une importance culturelle? Parce que je n'aime pas mastiquer la chair d'une bête qui est sacrée pour d'autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous assure qu'il n'y a pas anguille sous roche. C'est du poisson tout ce qu'il y a d'ordinaire. Pas dans l'enclos des chats! Où tu veux, mais pas dans l'enclos des chats! Où tu m'emmènes? Lâche-moi! Mais tu vas me lâcher, oui! Oh, surtout, ne me lâche pas! Ne me lâche pas! D-E-L-I-R-E, c'était trop délire! Tordant multiplié par hilarant! Je suis carrément explosée de rire! Là, j'ai plus envie de rire. Vite, Maz, allons-y! Emmenez l'amour de votre vie dans le tunnel de l'amour. Oh, quelle vie, je te jure! Sympa, ta tenue! T'es sérieux, là? Oh ouais, carrément! Bravo, c'est une magnifique peinture sur sable que tu nous as fait là, mon grand Léo! Je l'ai intitulée « Elle s'est plantée grave ». Oh non, c'est dégoûtant, pas dans la litière. Au secours, on dirait que je me suis coiffée avec un pétard. Vite, Tachilac. Oh, ah, je me sens mieux comme ça. Il est temps pour Shizo de rassembler ses esprits. Méga saut de super chiroïne. Oh, elle va m'en faire voir de toutes les couleurs. Ça suffit! J'en ai marre de jouer les gentilles fifilles! Et vous n'auriez pas un poisson sans tête? Parce que celui-ci, il n'arrête pas de me regarder. Je trouve ça très gênant. Vous avez dû lui taper dans l'œil. Méga gants à Big Bang! Et un petit coup de shellac pour fixer les couleurs, monsieur Vincent Van Tatouage qui déteint l'essorage. Excellent travail, Shizo! C'est quoi cet accoutrement? Je suis Cupidon. Tu es sûr que ce n'est pas Stupidon? Je trouve ça génial. Shizo et Cupidon, ça sonne super bien. Ah ouais, vraiment? Parce que je pensais plutôt à Cupidon et Shizo. Désolé, mais non. Oh, Shizo, tu es en état de super arrestation. Tu travailles alors que ton permis de super-héros a expiré. Quoi? Mais pas du tout. C'est complètement ridicule. Oh, vous êtes le capitaine XL de la guilde des super-héros. En chair et en os. Oh, est-ce que je peux avoir un autographe? Avec plaisir, mon garçon. En tant que co-assistante du vice-président général de la guilde des super-héros, il est de mon tiroir. Vous avez dit tiroir? De mon devoir de t'informer que tu devras te soumettre à des tests pour vérifier l'efficacité de tes pouvoirs en vue de renouveler ton permis. Vous êtes sérieuse? Oh, attendez une petite seconde. Qui c'est? Tu la connais?
Elle s'appelle Uma Thermique. Pourquoi on lui a donné un nom pareil? Aucune importance. Dites-moi ce que vous pensez de ça, Irma. Moi, c'est Uma. Peu importe. Neutralise-la, frérot. Je veux dire, elle s'arrête. Je veux dire, tous aux abris. C'est possible d'en avoir un aussi pour mon cousin? Bien sûr, comment il s'appelle? Morve. Hein? Son vrai nom c'est Georges, mais il a toujours le nez qui coule. Oh, pauvre garçon. Il a tout essayé, mais rien ne marche. Bon, ça suffit. Ça fait mal. Oula. Et est-ce que je peux aussi en avoir un pour ma tante? Et elle s'appelle? Tata Soupolet. Mais ça va pas bien la tête, vous allez me lâcher les cheveux, oui. Oh non. Rouge à lèvres laser. Ah, boule de feu thermique. Chaud devant. Dis-moi, bonhomme, ce n'est pas son vrai nom, Tata Soupolet? Non, c'est Jeanne, mais c'est dur de gérer ses colères. Kelly! Je vous préviens que personne ne bouge, ou bien je mets une peigne à la teigne. Vous n'avez pas intérêt à lui faire du mal, le barbouilleur. Je ne peux plus vous voir en peinture, les super-héros. Faut toujours que vous me compliquiez la tâche. Ce que je veux, moi, c'est peindre cette ville, c'est tout. Oui, je vais la peindre au moins une fois dans ma vie. Alors que je n'étais encore qu'un petit garçon, je ressentais déjà au fond de moi une envie très forte d'exprimer ma créativité. Je rêvais de devenir le Pablo Picasso de l'art urbain, le Michel-Ange des graffitis, le pharaon des beaux-arts. Je voulais embellir toutes les voitures de patrouille et aussi les policiers. Alors, face à tant d'incompréhension, mon cœur s'est rempli de noirceur et de haine et j'ai décidé de... Oh, je vous aime tous. Je sens une grande vague d'amour submerger mon cœur. Désormais, vous êtes mes meilleurs amis. Nous serons comme les cinq doigts de la main. On ne va plus se quitter. Oh, j'ai vraiment horreur des démonstrations d'affection en public. C'était bien envoyé. Je te remercie, ma belle. Au fait, tu as réussi. Qu'est-ce que j'ai réussi? Le test. Tu as brillamment réussi. Oh, ça m'était sorti de la tête. Tiens, ton nouveau permis de super-héroïne. Waouh, trop génial. Hé, hey, regardez ça, je suis un super-héros, c'est officiel. Je suis impressionné. Oh, il est trop mignon. À la prochaine, Shizo. XL et Uma sont partis. Wow. Je me demande ce que fait maman. Alors, qu'est-ce que ce sera, ma petite dame? De la sole ou du cabillaud? Dites-moi, vous n'auriez pas du bœuf? Ma chérie, ton rôti est vraiment délicieux, mais tu ne devais pas faire du poisson? Oh, ne m'en parle pas, j'ai eu une journée épouvantable. Je suis vraiment désolée, chérie. Si ça peut te consoler, moi aussi, j'ai eu une journée épouvantable. Qui? Ellie Hamdon. Quoi? Tu t'es fait un tatouage alors que je te l'avais formellement défendu? Oh, tu parles de ça? Boxter, tu as vu cet affreux tatouage? Allez, va-t'en, va-t'en! Quel tatouage? Celui qu'il a sur... Ça alors? Je l'ai vu à l'instant sur le dos de sa main! Ah, d'accord. Une chose est certaine, les tatouages ne disparaissent pas comme ça. Maman, tu peux répéter?